Yogaton, pour cette année-ci, nous avons organisé, c'est la 4e fois Maurice, mais 6e fois mondiale, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes du monde. Le 19 août, en même temps, nous pouvons faire le Yogaton. Comme le Yogaton, on dit c'est Rise for a cause for care, we care for the children. C'est-à-dire promouvoir l'éducation des enfants, et à travers le yoga, c'est un petit peu ça que nous pouvons faire aujourd'hui. Disons là, nous sommes capables d'avoir 200 participants, mais au moins ces 200 personnes qui là, je trouvais que à travers le yoga, nous sommes capables d'apporter beaucoup plus dans la vie des autres personnes. Nous faisons une posture de salutation de soleil pendant l'activité. Et Saline a commencé avec un groupe de Auto Living du Canada. Et différents l'année, nous choisissons différents venues. Et l'idée derrière le yogaton, c'est de promouvoir le yoga. C'est pour ça qu'il nous fait l'idée d'une place publique. Apporte un bienfait du yoga qu'il y en a au niveau de la santé mentale et physique. C'est une idée qui nous propage le message du portage. Et chaque année, nous faisons lire au mois d'août. À ce moment-là, nous redonnons une venue convenable que nous sommes capables de faire yogaton. L'année dernière, nous l'avons fait ici même et nous trouvons beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il nous répète sa venue-là. Et ça fait plus que 4 ans qu'il nous pratique yoga. Et pour nous, ça amène nous beaucoup d'énergie, peace et aussi peace of mind. Et aussi, il y a beaucoup de positivité dans la vie. Et le fait que Yogathlon, c'est l'international event de Maurice de Beferli. Et je vais faire ça pour une cause. La cause, nous dit, mais let's join in, nous guettons comment nous pouvons aider. Comme on fait groupe yoga comme ça, collectif, ensemble, l'énergie là, il reste plus grand. Mais là, nous dit, mais nous join in en même temps, nous pouvons contribuer pour le welfare de la société aussi.